Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette première de 2024. Ça se discute. Nous revenons à nos échanges de tous les soirs, du lundi au vendredi. Julio Tometi, bonsoir. Bonsoir François-David Noumont, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes analyste politique, juriste, gérant du cabinet juriste et associé. Mohamed Gamili, bonsoir. Bonsoir François-David, bonsoir Julio, bonsoir aux téléspectateurs. Analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale et depuis Paris, Sophoni Jadeur Kaboulé, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Bonsoir. Bonsoir. En espérant que je vous entends faiblement. J'espère que ça va s'améliorer au fil du temps. Nos meilleurs voeux, mesdames et messieurs. Encore une fois, nous passons par ce canal pour vous réitérer nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, en espérant pouvoir mériter votre confiance tout au long de cette année qui s'offre à nous. Sophoni Jet Kaboulé, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous m'avez... Je vous entends. Oui, je vais bien. Merci bien. Bonne année et mes meilleurs voeux. Voilà, meilleurs voeux réciproques. On va rester avec vous pour démarrer cette session. Nous allons parler du CFA parce que le moins qu'on puisse dire ces dernières semaines, c'est un phénomène qui a cours depuis quelques mois déjà. Le CFA a une certaine... disons les Nigérians et les Ghanéens ont de plus en plus une appétence pour cette devise qui, on peut le dire, est rachetée de façon compulsive. Déjà, Sophoni Jet Kaboulé, comment vous l'expliquez? Alors, effectivement, alors j'ai un peu d'écho là, donc je m'entends parler. Donc oui, le franc CFA est en plein essor au Ghana et au Nigeria. On le voit dans les chiffres. Quand vous prenez le Nigeria en 2021, les chiffres disponibles pour 2021 montrent que les volumes de transactions en franc CFA ont augmenté de plus de 20%. Quand vous regardez le Ghana, quand vous regardez le volume des transactions en franc CFA, eh ben, il a augmenté de plus de 15%. L'année dernière, donc il y a une popularité croissante du franc CFA au Nigeria et au Ghana, malgré certaines controverses dans les pays francophones. Et cette popularité, me semble-t-il, peut être attribuée à plusieurs choses. D'abord, l'utilisation qu'en font les Nigériens et les Ghanéens. Ils utilisent essentiellement le franc CFA comme monnaie refuge. Prenez le cas du Ghana, par exemple. Quand les données de la Banque centrale montrent que le cedi ghanéen a perdu à peu près 40% de sa valeur par rapport au franc CFA ces 5 dernières années. Si j'ai un fort écho, ça me perturbe énormément. Bon, bref. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, je disais que quand on regarde les données de la Banque centrale du Ghana, le cedi ghanéen a perdu 40% de sa valeur vis-à-vis, par rapport au franc CFA au cours des 5 dernières années. Donc, au 1er janvier 2018, un cedi ghanéen valait à peu près un franc CFA. Aujourd'hui, c'est autour de 40 francs CFA. Donc, il y a une baisse vertigineuse de la monnaie, la valeur de la monnaie face au CFA. Donc, vaut mieux mettre son épargne en francs CFA pour que l'épargne ne perde pas de valeur. Alors, donc ça explique vraiment surtout par les hommes d'affaires, l'appétence pour le franc CFA. Pareil pour le Nigeria, hein, quand vous regardez le Nigeria, le Naira nigérian a perdu 70% de sa valeur par rapport au franc CFA ces 5 dernières années. Donc, là aussi, on a une chute vertigineuse de la valeur de la monnaie nigérian face au CFA. Donc, là aussi, il est absolument rationnel d'aller se réfugier
d'aller placer son épargne dans, absolument. Et puis, ça, c'est pour la valeur, comment dire, l'utilisation du franc CFA comme valeur refuge. Après, l'autre partie qui explique cette appétence pour le franc CFA, c'est évidemment les liens économiques entre le Nigeria, le Ghana et la zone UEMOA. Tout le monde sait que le Nigeria et le Ghana ont des liens économiques très importants, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, ces liens-là aussi favorisent l'utilisation du franc CFA, mais là, c'est plus CFA comme instrument d'échange. Alors, en fait, il faut faire un distinguo entre l'utilisation du franc CFA comme monnaie refuge. Donc, on va placer son épargne en franc CFA pour que son épargne ne se liquide pas. Et on utilise le franc CFA parce que, bon, ben, on a des relations commerciales avec les pays voisins, notamment le Nigeria, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et puis, ça justifie d'utiliser le franc CFA. L'autre raison, l'autre raison qui paraît essentielle, c'est que quand vous regardez la politique monétaire de ces pays, en fait, les banques centrales du Ghana et du Nigeria ont une politique monétaire expansionniste. Prenez le cas du Ghana. Entre 2018 et fin 2022, la masse monétaire a augmenté de plus de 120%. La masse monétaire a augmenté de plus de 120%. Et en face, vous avez une production nationale qui croît en moyenne de 6% par an. Donc, vous vous retrouvez, comment dire, si vous imprimez de plus en plus d'instruments monétaires et en face, la production ne croît pas au même rythme, ça veut dire que vous avez plus d'argent pour un panier de biens qui, lui, n'augmente pas aussi vite que le volume de l'argent. Et donc, il y a inflation. C'est la thèse monétariste des économistes. Pareil, Nigeria, la Banque centrale du Nigeria a fait aussi un peu n'importe quoi. C'est la politique monétaire est très expansionniste. Quand vous regardez le bilan de la Banque centrale du Nigeria, de 2018 à fin 2022, la masse monétaire est passée de à peu près 15 trillions de naira à 40 trillions de naira. Donc, on a eu une augmentation de près de 200%. Donc, si vous avez une augmentation aussi gigantesque de la masse monétaire et qu'en face, il n'y a pas une augmentation similaire de production, eh bien, vous avez l'inflation qui traverse le toit. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des inflations à deux chiffres dans ces pays. Et donc, quand vous avez une inflation à deux chiffres dans un pays et que vous avez que le pays voisin a une monnaie stable, eh bien, si vous êtes intelligent et un bon homme d'affaires, vous allez placer votre épargne dans la monnaie qui protège votre épargne. Voilà, je suis avec vous très rapidement pour en supposant que, en souscrivant à ce que vous avez dit, valeur CFA comme valeur refuge, en réalité, que ce soit la banque centrale, les hommes d'affaires, les milieux d'affaires de ces deux pays qui se ruent sur la devise de l'UEMOA, c'est quelque peu en achetant du CFA, c'est quelque peu de l'euro qu'ils achètent. Alors, est-ce que en termes de volume, est-ce qu'il y a un risque systémique, parce qu'on se rappelle de 94 avant la dévaluation, que ça contribue aussi quelque peu les milieux d'affaires nigériens qui se ruaient sur le CFA à Londres et sur d'autres places financières. Alors, est-ce qu'il y a un risque vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Maintenant, oui. Est-ce qu'il y a un risque systémique à ce que le processus se poursuive et que les banques centrales de ces pays-là s'y mêlent et que les milieux d'affaires aussi s'y mêlent de façon systémique? Est-ce qu'il y a un risque pour la BCAO, par exemple?
Alors, est-ce qu'il y a un risque de dévaluation? C'est ça la question, hein? Oui, oui. Non, je ne crois pas qu'il y ait un risque de dévaluation. Alors, effectivement, ce qu'il faut, comment dire, ce à quoi il faut faire attention, c'est le fait que la monnaie France CFA soit demandée fortement des pays comme le Nigeria ou le Ghana, ça fait augmenter la demande. Oui. Donc, ce qui veut dire que la valeur de la monnaie risque d'augmenter aussi. Oui. C'est la règle de l'offre de la demande. Déjà qu'elle est très haute. Elle est très haute, c'est pas, oui, c'est pas vrai. Elle est très haute par rapport à quoi? Par rapport à la réalité de l'économie, beaucoup de... Mais je ne sais pas, je ne sais pas si la réalité des économies... la réalité, c'est quoi? C'est que vous avez une zone, une union monétaire. Oui. Vous avez une union monétaire et qui fait que, par convention, cette monnaie est arrimée à une monnaie qu'on appelle l'euro. Oui. Donc, s'il y a lieu d'évaluer une quelconque surévaluation ou sous-évaluation, c'est par rapport à l'euro. Oui. Et quand vous regardez ce qu'on appelle parité pour pouvoir d'achat, PPA, en fait, vous n'avez pas une grande divergence entre le taux de change et la parité de pouvoir d'achat. Non. Donc, aujourd'hui, il n'est pas de dire que le franc CFA serait sous-évalué ou surévalué par rapport à l'euro. Mais ça, je raisonne à la taille de l'union monétaire. Oui. Alors, si on prend les pays individuellement, ça, c'est encore une autre histoire. Vous voyez la nuance? Oui. La nuance, elle est là. Si on raisonne vraiment à la taille donc de l'UEMOA, donc les pays qui utilisent le franc CFA, l'Afrique de l'Ouest, oui. Il y a une valeur qui est bien pricée, quoi. Oui, voilà. Mais, oui, voilà. La question, c'est est-ce qu'il y a un risque systémique, d'après vous? Non, il n'y a pas de risque systémique. Du fait que les autres se ruent sur la monnaie. Oui. Je ne crois pas du tout. Le risque serait que la demande soit tellement forte dans ces pays-là qu'au final, il y ait une espèce de shortage, comment on dit ça en français, pénurie de CFA. Non, mais je pense que la BSEO comprend des technocrates qui savent leur boulot et qui ajusteront la masse monétaire en circulation pour maintenir la valeur de la monnaie. Même question. Et là, de la conséquence. Oui, de la conséquence, oui. Bon, pour le moment, je ne saurais le dire comme ça. Quand on regarde les volumes en circulation. Bon, on sait déjà que le risque, comme l'a dit Jed, c'est l'inflation, surtout au niveau des villes frontalières de ces pays-là. Ça dit que frontière entre le Bénin et le Nigeria et entre le Ghana qui n'a pas une frontière directe avec le Bénin. Donc, c'est déjà l'inflation accentuée surtout au niveau de ces villes frontalières. Mais l'autre chose, c'est que pour le moment, on ne voit pas une action. Ça dit que dans l'élan d'une congestion entre ces trois zones, quand je dis ces trois zones, je parle de la zone CFA, que représentent les pays comme le Bénin, les pays qui partagent le CFA, et la zone représentée par les deux banques centrales, le Ghana d'un côté et le Nigeria de l'autre côté, on ne voit pas encore une certaine coordination ou bien une action d'ensemble pour pouvoir juguler, gérer cette situation. Ce qui peut nous amener à nous poser des questions et ramène la question de l'intégration des zones économiques. Parce que c'est là se trouve en fait le problème. Mais en réalité, qu'est-ce que vous voulez que... qu'est-ce que nous-mêmes on attend? Parce que là, quelle est la question qui se pose? Est-ce que la BCE a dit, bon, à part le fait qu'on risque d'approcher très rapidement le taux, le seuil par rapport à la quantité de billets qui doit circuler. Oui, si ça continue comme ça. Et si ça continue comme ça. Mais en réalité, qu'est-ce que nous voulons que...
que ces zones économiques puissent faire en matière à partir du moment où la politique monétaire même n'est pas la même au niveau de ces trois zones. Ce qui revient en fait à la question du fait que voilà une monnaie qui est décriée par ceux qui sont concernés mais qui utilisent la monnaie et qui quand même de l'autre côté, quand bien même je peux essayer de faire la nuance du fait que c'est beaucoup plus par sécurisation des avoirs, je pense, hein, si je ne me trompe, c'est une manière de sécuriser les avoirs que les autres font ça, et non forcément parce qu'ils les apprécient. Mais à tout le moins, il faut reconnaître que ce qui permet ça, c'est une certaine stabilité relative de cette monnaie-là par rapport à l'euro, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Ce qui pour moi ressort, l'aspect qui est, enfin, sans être économiste, l'aspect que je voudrais ressortir, c'est que et le CFA vient du fait que c'est un regroupement, c'est une zone beaucoup plus dense, je parle en termes de population, de nombre par rapport aux autres zones. Est-ce que cela relève quelque peu, sans être forcément économique, la fragilité des deux autres zones? Je ne saurais le dire. En même temps, la question de ce qui vient à se poser, c'est que si, bon, comme on le dit, on quitte le CFA, on va où? C'est toujours est-il que c'est quand la monnaie a quelque chose qu'on est plus fort qu'on est beaucoup plus fort. Donc, en fait, pour moi, les réflexions doivent aller dans ce sens. Parce que ça va peut-être ramener la question de l'écho. Si en tenant compte de ces réalités-là, donc, pour moi, sans être forcément économiste, il se peut, comme on l'a vu, tant que cette question de monnaie unique soit beaucoup plus penchée vers le CFA que vers les deux autres zones. Donc, c'est un peu ça de mon point de vue. La police, que je pense. Vous savez, un économiste a dit, lorsque les opérateurs, lorsque les agents économiques n'ont plus confiance en la monnaie de leur pays, et bien naturellement, ils en utilisent une sur laquelle il y a une certaine confiance. Et aujourd'hui, le franc CFA offre en fait cette confiance-là au regard de sa convertibilité et de sa stabilité. La convertibilité suppose en fait la capacité d'une monnaie, d'accord, à être plus facilement échangeable en fait sur en une autre devise ou en une autre classe. La stabilité, c'est le maintien relatif en fait dans le temps par rapport aux biens ou aux services, quelles que soient en fait les fluctuations d'inflation ou inflation. Donc, quand on considère, comme nous sommes en train de le constater, c'est pourquoi moi j'ai toujours souvent l'habitude de dire que la question de monnaie n'est pas une question aussi facile telle que nous le prenons. C'est pourquoi j'ai bien apprécié le titre, le franc CFA décrié par certains, c'est dû au Nigeria et au Ghana. Quand bien même on peut considérer que ce qui se passe aujourd'hui, elle est conjoncturelle, on peut en tirer beaucoup de leçons. C'est-à-dire, quelle est notre capacité? C'est-à-dire, nous voulons, en fait, il y a une certaine partie des peuples africains, notamment de l'UMOA, qui entendent en fait une certaine indépendance, certaine autonomie en fait en termes de monnaie, mais généralement on ne mesure pas les risques en fait. En fait, c'est parce que quand on mesure les risques, puisque vous le voyez que dans les chiffres, en termes d'économie, quand nous prenons notre espace commun, le Ghana et le Nigeria font plus de 60% en fait en termes de trucs là. Et regardez un peu ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. C'est pourquoi en fait les gouvernants ont toujours en fait cette réticence-là à faire un pas en avant parce que vous ne savez jamais ce que le contexte économique va vous offrir. Si vous faites le pas et que vous n'arrivez pas à trouver en fait les éléments pour juguler en fait ces éléments de crise-là, vos économies risquent de tomber. Et quand ça tombe, c'est l'instabilité, vous savez un peu, surtout le contexte dans lequel nous sommes. Donc, malgré cette envie, d'autodétermination monétaire et tout, il y a à longuement réfléchir que cette question soit beaucoup plus des questions beaucoup plus techniques que des questions passionnelles d'une certaine façon. La monnaie, les questions monétaires ne peuvent pas être réglées avec de la passion, mais en fait en toute intelligence et en analysant ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons être dans les années à venir, en tenant compte de sorte du fait que aujourd'hui en fait le système économique au plan mondial elle est très en fait fluctuante. Donc, à partir du moment où vous trouvez, en fait, un gage, comme le franc CFA l'est aujourd'hui, un gage de stabilité, de convertibilité,
il y a toujours lieu à réfléchir beaucoup avant de quitter ces zones qu'on peut appeler zones de confort, d'une certaine façon, parce que vous ne savez jamais. Docteur Paul-Marie Ressou, merci de nous avoir rejoints. Meilleurs vœux. Réciproque. Et voilà, vous suivez le débat. J'ai envie d'aller d'avancer avec vous. Vous avez suivi ce qui a été dit. Au-delà, est-ce que pour vous également, il y a cette situation conjoncturelle peut être peut engendrer des risques pour la zone CFA? Parce qu'au-delà des fluctuations habituelles, on en voit à Tokpa entre les commerçants, ce qu'on peut dire dans l'informel. Ce que les chiffres montrent aujourd'hui, c'est qu'on est allé. Les milieux d'affaires principaux sont ce rue, on va dire, c'est le mot, de bon ton, pour sécuriser leurs avoirs, leurs avoirs ne perdent pas de la valeur. Comme Mohamed Yamil l'a dit, il n'y a encore qu'une action concrète au niveau des banques centrales. Est-ce que vous pensez que si ce mouvement n'est pas régulé, ça peut mettre en danger la stabilité monétaire, en tout cas l'architecture monétaire du moment? Comme Jed n'y croit pas, lui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben écoutez, moi je voudrais d'abord dire que la question de la monnaie, oui, il faut la traiter en dehors de la passion, mais moi j'étais à une conférence, vous savez, il y a eu une conférence dans l'EFAL, l'Académie béninoise. Organisé par l'Académie, oui, avec le récemment, oui, le avec Koulibaly, donc venu de la Côte d'Ivoire. J'étais à cette conférence et vous, dès que vous commencez à discuter la question monétaire, vous tombez tout de suite dans la passion. Et j'ai posé la question sans avoir eu la réponse le jour-là, que est-ce que les organisateurs ont vu maintenant que cette question de monnaie CFA ne peut pas être discutée sans la passion, sans les égaux, les égaux des différents camps idéologiques. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, quand nous regardons le phénomène qui se passe, ce n'est que conjoncturel. Et donc, il ne faut pas vraiment commencer à spéculer à long terme sur ça. Vous savez, le problème est très simple. Vous avez le franc CFA qui est stable. À côté de ça, nous avons le Naira. Et je vais dire, tout à l'heure, selon moi, pourquoi le Naira et le CIDIS subissent ces coups-là. Okay. Le Naira et le CIDIS qui sont en train de fluctuer et qui, en fait, plongent ou diminuent de valeur. Et puisque c'est le cas, tout spéculateur cherche là où il y a la sécurité. Donc, il va mettre l'argent, il va mettre son avoir là où c'est stable. Pour que, lorsque l'autre va remonter, il revienne. Oui. Maintenant, jusque-là, nous n'avons pas encore entendu les autorités monétaires des deux pays dire qu'il y a déjà péril la demeure et qu'il faut que qu'on puisse faire chose là. Donc, on ne peut pas, raisonner à long terme sur la situation conjoncturelle qui est là en ce moment. Parce que maintenant, avant de vous laisser aller loin, parce que il y a un précédent historique avant la dévaluation du franc CFA en 1994, la BCA et les autorités françaises avaient dû interrompre le change du Naira et du CFA à Londres, justement à cause de cette parce que même pendant cette période il y avait une crise au Nigeria en même temps, dans la même période, et ils avaient estimé, les autorités monétaires avaient estimé à cette époque que si on laisse la tendance continuer avec le volume des transactions, ce sera de nature à peut-être perturber quelque peu la zone, bien que ce soit conjoncturel. Donc est-ce que vous pensez que, quand bien même il n'y a pas péril à la demeure, les autorités des banques centrales ne devraient pas, commencer par... Bon, on suppose qu'ils surveillent normalement les fluctuations. Bon, mais le problème... Venons-en aux causes de cette... de la plongée de la monnaie de ces deux pays-là, que nous connaissons en ce moment et qui a commencé il n'y a pas... C'est pas maintenant que ça a commencé, hein, ça a commencé il y a quand même un moment. Oui, quand vous prenez le Ghana, peut-être en 30 ans, c'est peut-être la quatrième fois. Voilà, et on prévoit que le PIB de ces pays va encore baisser donc sur les années, l'année prochaine et les années à venir, choses là. Mais
Ce qui est à remarquer, c'est que ces monnaies-là sont face, reflètent les faits économiques du temps réel. C'est-à-dire que les économies du Ghana, comme beaucoup d'économies dans le monde, même le dollar, les économies donc, du Ghana et du Nigeria ont subi le coût de la pandémie COVID-19. Et ensuite, le coût de la guerre en Ukraine et toute la conjoncture internationale. Et ces économies subissent directement le coût et l'encaisse, et on voit se manifester dans leur monnaie la réalité de l'économie, de ce que c'est que l'économie au moment où la situation se présente, donc conjoncturelle. Par contre, chez nous ici, c'est qu'on a stabilisé la monnaie, on l'a collée à une autre monnaie, et bien que nos économies subissent des coûts et des inflations. Moi, écoutez, j'ai entendu Sophonie dire que l'inflation, ça tutoie les deux chiffres dans les autres pays. Mais moi, les chiffres de l'inflation dans les pays francophones ne me convainquent pas. Du tout. Ça ne me convainc pas. Parce que vous savez, l'inflation chez nous, l'inflation, c'est simple. Hein, il ne faut pas aller chercher dans les livres d'économie pour comprendre. C'est simplement, je vais aller acheter au marché combien je dépense. Je voulais aller acheter au marché hier combien je dépense. Et faire la différence. Et vous voyez simplement, la différence entre les deux vous donne ce qu'on appelle l'inflation. Et c'est clair dans l'esprit de tout Béninois que l'inflation n'est pas à 3% aujourd'hui.